C'est parti. Salut tout le monde. Salut. Donc, malheureusement, on n'a pas pu faire ça en live étant donné que ma bande passante ne supporte pas et le live et une communication avec quelqu'un de l'extérieur. Effectivement, vu les lags qu'il y a sur mes lives précédents, effectivement, en fait, c'était un peu prévisible. Mais bon, du coup, on fait ça en différé. Je suis très heureux d'accueillir Titi Mitle, donc de la chaîne Esprit Critique, qui est avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Enfin, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder, du coup, puisque c'est pas en direct. Je suis très heureux que tu m'aies invité. Hein. Et oui, ça faisait un moment qu'on devait se faire ce live. Donc voilà, ça y est, ça se réalise enfin. Notamment, pourquoi je t'ai invité du coup, en grande partie du coup par rapport au sujet de la zététique, étant donné que toi c'est ce que tu fais principalement sur ta chaîne. D'ailleurs, ouais, vas-y, présente-toi peut-être un petit peu pour ceux qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne, etc. Alors, c'est un peu compliqué. Moi, la meilleure description que j'ai trouvée, que j'ai mis sur ma chaîne, c'était... vulgarisation et réflexion philosophico-politico-historico-scientifico-betrave. voilà, pour dire que je parle de beaucoup de choses très différentes. Mais globalement, je dirais que ce qui rejoint tout ça, pour moi, ce que je fais, c'est essentiellement de la philosophie politique. Après, il se trouve que ma façon de penser, de voir le monde, d'analyser les choses et tout ça, est très influencée par la pensée sceptique. Mais voilà, j'ai jamais cherché à revendiquer le fait que je ferais une chaîne de zététique, une chaîne sceptique, voilà. Surtout parce que la zététique précisément c'est quand même très associé aux questions autour du paranormal et tout ça, et que c'est pas tellement les sujets dont je traite. Mais après, bon voilà, pour moi il y a une façon de penser qui est en fait plus simplement s'attacher beaucoup à l'épistémologie et essayer de maintenir assez fort le lien entre la philosophie et la pensée scientifique, autant que faire se peut. Donc voilà, disons que quand j'ai fait mes premières vidéos et que j'ai commencé à en parler à différentes personnes que j'appréciais sur YouTube, à essayer de partager ma chaîne pour que ça intéresse des gens, en fait, les personnes qui ont le plus apprécié et soutenu ce que je faisais, qui ont commencé à partager, à en parler entre eux, à m'intégrer dans leur groupe et tout ça, c'était les sceptiques, voilà, le monde de la zététique sur YouTube. Ça m'a un peu surpris parce que voilà, pour moi, c'est... déjà, je donne beaucoup mon avis dans mes vidéos, donc je suis pas. Voilà, je prétends pas faire de l'objectivité scientifique. J'ai même mon premier épisode, c'est même pour démonter le concept d'objectivité. Mais bon, voilà, le fait que je mette un subjectomètre sur le côté pour essayer d'indiquer à quel point je suis subjectif au moment où je suis en train de parler, le fait que je fasse beaucoup de références épistémologiques, scientifiques et tout. Voilà, eux, ils l'ont vu comme une tentative d'appliquer le scepticisme à la politique, ce qui est une description qui pourrait m'aller, mais je pense que suivant les vidéos, ça correspond plus ou moins. Genre, j'ai quand même certaines vidéos que j'ai même pas cherché à partager sur les groupes sceptiques et tout ça, parce que voilà, enfin, c'était pas du tout dans la démarche, quoi. Donc. Ok, du coup, j'ai montré là vite fait ta chaîne en même temps avec les vidéos. On peut, du coup, tu as fait une vidéo sur le sexe biologique, clitoris et ou pénis, franc-maçon et illuminati, darwinisme social, Nick Taras à propos de la catégorie de race du coup, la gauche et la droite, la politique par les jeux de rôle. Du coup, je vais faire le lien entre qu'est-ce qui nous amène du coup à faire ce live, parce que moi, ma chaîne est clairement orientée politique et avec un gros background philosophique quand même. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse notamment dans ce que tu fais et surtout à la croisée de nos deux chaînes,
Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est ce côté réflexion rigoureuse et scientifique appliquée à la politique. Et dans certains lives, notamment avec Franck Brusset la dernière fois, j'ai parlé plus d'une fois de ces dérives de la zététique qui me dérangent passablement en fait. Et surtout, ce qui me dérange le plus, c'est un peu le vernis objectif qui va avec et qui du coup rend des opinions qui sont bien souvent conservatrices en fait comme de l'objectivité scientifique. Et du coup je voulais justement moi je suis dans cette dynamique d'avoir une réflexion rigoureuse et scientifique du coup. Et je voulais du coup mettre en avant le fait que la zététique on pouvait enfin la zététique il y avait aussi plusieurs courants et qui pouvaient se dissocier, enfin se diviser sur des problématiques politiques. Il y a des gens justement qui vont considérer que la zététique n'est, enfin même là pour le coup on est plus sur les sciences et leur positionnement que la zététique à proprement parler, vu que tu l'as dit, la Oui. zététique c'est particulièrement adapté au paranormal, etc. Mais du coup, il y a des courants voilà, scientifiques qui vont plutôt dire qu'il y a une certaine neutralité dans les sciences, alors qu'il y en a qui vont dire que les sciences portent objectivement aussi un projet politique. Ce qui moi, m'intéresse beaucoup plus, du coup, étant donné que je fais quand même pas mal de références voilà, à des textes scientifiques dans mes réflexions. Donc, je voulais aussi montrer du coup une autre image de la zététique qui en ce moment du coup partage plutôt des auteurs que je trouve problématiques. Enfin voilà, dans la communauté on va dire anarchiste, libertaire, autonome, etc. dont je gravite. Plus d'une fois, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été portées, notamment à la tronche en biais, du coup. Oui. Est-ce que je fais un petit topo sur les choses qui ont posé problème à la tronche en biais? Ouais, c'est peut-être bien, c'est nécessaire, je pense. Bah, je sais pas, c'est comme tu veux. Bon, je vais le faire comme Enfin, ça. ça, après, ça dépend. Si c'est pour me l'apprendre à moi, c'est pas forcément la peine, je l'ai suivi. Si Ok. c'est pour faire un contexte pour le public, oui. Ouais, je pense que c'est un peu nécessaire, notamment Peggy Sastre qui a été, il me semble qu'elle a été invitée hein, à la tronche en biais. Oui. Voilà, et donc il doit y avoir d'ailleurs des critiques déjà de ce que fait cette femme, du coup, qui a tendance à naturaliser les genres et qui du coup pose un gros problème à toute une communauté de gens qui affirment que le genre est avant tout une construction sociale. Et du coup, notamment, Sastre, elle va, par ce biais-là, en fait, en quelque sorte, nier le patriarcat, par exemple, ou en tout cas les inégalités hommes-femmes, parce que pour elle, il y aurait juste, en fait, des comportements différents qui peuvent s'opposer, etc., mais il n'y aurait pas d'inégalité, il n'y aurait pas de domination des hommes sur les femmes. Parce que justement, en réduisant les genres à quelque chose de naturel, bah du coup, elle n'y voit plus d'inégalité. Tu me corriges si jamais j'ai. Alors, pour moi, c'est pas exactement ça son positionnement, c'est un peu particulier. C'est que elle pense qu'il y a des inégalités, mais qu'elles sont d'origine biologique. Et là où c'est particulier, c'est qu'il y a quand même un présupposé qui est dans la tête de beaucoup de gens, on va dire. Et ça, j'ai l'impression que c'est aussi bien du côté de plein de gens qui donnent beaucoup d'importance à la biologie, que du côté de ceux qui donnent au contraire beaucoup d'importance à l'aspect social, c'est l'idée que si c'est biologique, alors c'est naturel, et si c'est naturel, alors c'est justifié. Or, c'est compliqué parce qu'il y a effectivement plein de gens qui défendent l'idée que tout est biologique ou qu'il y a une grande part de biologique pour en arriver à cette conclusion que du coup c'est naturel, donc c'est bien, donc c'est justifié, donc voilà, il n'y a rien à combattre.
Mais Peggy Sastre, c'est encore plus spécial, son positionnement, et assez rare d'ailleurs. C'est qu'elle pense que quasiment tout est biologique, mais que pour autant, ça ne justifie pas forcément, puisqu'en fait, elle propose de lutter contre la biologie pour arriver à l'égalité, mais avec des choses assez particulières, parce que du coup, ça veut dire que, elle pense que je sais pas, parce que je voudrais pas que je caricature non plus, mais je sais pas, enfin, que les femmes auraient naturellement tendance à ne pas aller, par exemple, dans les filières, enfin dans les carrières scientifiques de chercheurs et tout ça, chercheuses en l'occurrence, mais qu'il faudrait les forcer contre la biologie pour atteindre l'égalité. Donc, du coup, c'est particulier parce que c'est pour ça qu'elle se dit à la fois féministe et en même temps qu'elle est très opposée à la plupart des féministes, puisque la plupart des féministes sont plutôt sur la position que l'essentiel est culturel et que donc, du coup, si on traitait tout le monde à égalité, il n'y aurait plus d'inégalité si on part du principe que tout est culturel. Alors que pour Peggy Sastre, pour arriver à l'égalité, il ne faut pas traiter les gens à égalité. Il faut aller exactement à l'inverse de ce que fait comme prédisposition la nature. Quoi. Voilà. Ok. Après, autre élément moi, qui m'avait beaucoup... qui m'avait particulièrement choqué aussi, c'était à la suite de l'attentat de Charlottesville, où une militante antifasciste a été tuée par une voiture bélier à Charlottesville, où on a Mandax en fait qui a fait une publication sur le fait que le plus efficace pour lutter contre ce fascisme, ça serait encore d'aller discuter avec eux. Chose qui m'a du coup particulièrement agacé parce que c'est absolument pas ce que l'histoire nous apprend et ce que la lutte nous apprend. Donc d'ailleurs dans ce style là ça me fait penser à ma vidéo sur la liberté d'expression où à la fin je rappelle qu'effectivement y a peut-être pas, enfin, les scientifiques n'ont pas besoin de demander aux créationnistes pour faire avancer leur réflexion théorique. Et pareil, nous, on va pas, en tant qu'antifasciste, on va pas aller parler aux fascistes qui pourraient nous apprendre quoi que ce soit. Enfin, ça a aucun sens. Le fascisme est pas là pour discuter. Le fascisme, c'est une pensée autoritaire. Et du coup, le seul moment où cette pensée autoritaire acceptera le dialogue, c'est quand elle n'a pas les moyens de nous faire taire. Parce qu'en réalité, son seul but, c'est de propager son discours. Et que du moment qu'on accepte la discussion avec eux, surtout dans une sphère publique, quoi, du coup on leur donne une tribune qui objectivement ne sert pas notre lutte antifasciste et ne sert pas à réduire la diffusion de leurs idées. Donc c'est pas en allant discuter avec eux comme ça qu'on va régler le problème. Et ce qui m'énervait justement, c'était que moi j'ai amené des éléments concrets, voilà, un peu comme je viens de le dire, je me base sur l'histoire, etc., pour justifier les pratiques de lutte, et que Mandax se contentait en fait d'un positionnement moral et un peu abstrait de la lutte contre le fascisme, et qui derrière rajoutait un vernis objectif qui, du coup, va toujours un peu avec, ce qui me dérangeait particulièrement. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. J'ai l'impression que c'était peut-être un peu une erreur de dire de rappeler tous les. C'est un peu long. Hein. Les problèmes qu'il y a eu avec la tranche armée, parce qu'en fait, du coup, à chaque fois, j'ai envie de rentrer dans le débat sur chaque sujet et on va pas aborder le sujet principal parce que là, du coup, on pourrait se lancer sur. En plus, moi, sur chaque sujet où il y a eu des problèmes entre, on va dire, le milieu militant de gauche et la tronche en biais, entre autres, mais aussi d'autres personnes qui viennent du courant sceptique, à chaque fois, j'ai quasiment des analyses différentes et c'est toujours des trucs un peu nuancés qui mettent longtemps à être expliqué, donc du coup vraiment si on se lance sur chaque truc ça va être euh,
Bah, de toute manière, là, on a quasiment fini parce que bon, voilà, je vais avoir donné deux exemples. Il y a aussi, je vais peut-être juste les citer, les derniers, où l'invitation de Jacques Balthazar, il me semble, quelque chose comme ça, qui parlait encore Ouais. une fois de l'aspect naturel ou non de l'homosexualité. Voilà Alors, tu qui. remarqueras, ceci dit, en disant dessus, que moi j'ai regardé le live, il y a des trucs avec lesquels j'étais d'accord, des trucs avec lesquels j'étais pas d'accord, mais il y a quand même un truc qui est assez net, c'est qu'il n'y a pas une seule fois où ils ont prononcé le mot naturel, c'est toi qui l'utilises. Ok, non mais là pour le coup Où ils Jacques utilisent Balthazar, je le sais mot pas du tout, j'ai pas biologique. suivi, c'est pour ça que je le cite. Moi, les Ouais. deux trucs qui m'ont le plus choqué, c'est Peggy Sastre et du coup la lutte antifasciste. Mais les autres, c'est pour ça que j'allais juste les citer parce que je connais pas beaucoup plus le truc. Je pense que enfin, ça peut être intéressant qu'on revienne sur ça, mais a priori, je pense que ça va venir dans la discussion si on part d'un truc plus général sur les rapports entre sciences et politique. Et après, je pourrais peut-être revenir sur la question de la nature, qui, à mon avis, est assez centrale dans à la fois des vrais débats et aussi des faux débats qui viennent d'incompréhension par rapport au terme, Ouais. je Du pense. coup, voilà maintenant que j'ai présenté un petit peu ce qui pouvait me déranger dans la zététique, enfin, du coup, je t'ai invité effectivement parce que pour moi, il y a une autre voie à porter et avec le même souci de la méthode scientifique. Parce que du coup, l'idée, ça serait pas du tout de laisser ce champ-là, enfin, moi, c'est pas du tout le positionnement sur lequel je suis. Il y a des courants de la gauche qu'on pourrait qualifier notamment de postmodernisme qui ont tendance à faire de la science un récit parmi les autres. C'est pas mon cas. Moi, je pense que il y a nécessité d'une réflexion rationnelle pour avancer dans nos luttes, etc. Et qu'il s'agit pas de prendre la science juste comme un nouveau discours de la domination à notre époque, il y a quelque chose de profondément subversif dans la science qu'on ne peut pas laisser à nos ennemis. Et ce qui n'empêche pas, évidemment, de faire une critique de la science, chose que je n'hésite pas à faire tout au long de mes vidéos. Mais c'est une critique des sciences. Alors, je le dis, j'ai tendance à dire la science, ça me dérange moi-même, je préfère dire les sciences, donc je m'excuse pour toutes les fois où je vais dire la science. Ben voilà, Moi, du ça coup, me j'ai. dérange pas parce que pour le coup, moi j'ai tendance à dire la science et à la pas y trouver de problème. Ouais, Donc, c'est tout un débat aussi, mais bon, voilà. tellement de débats à avoir. On va faire 25 lives. Et du coup, enfin, toi, politiquement, j'imagine que tu es sur le même créneau, du coup, et tu es toi-même, enfin, si Alors. ça te dérange pas d'expliciter un petit peu tes positionnements politiques. Ouais. Bon, ça, je l'ai dit dès le premier épisode. Voilà, j'ai dit que j'étais de gauche. Pour moi, en fait, il y a des termes. D'une manière générale, quand je parle, j'essaye d'éviter d'utiliser des termes que je ne saurais pas définir. Et C'est bien. donc, du coup, les termes que j'assume le plus, c'est ceux où je suis le plus clair sur la définition. Et voilà, quand je dis que je suis de gauche, bah, j'ai fait tout un épisode sur la gauche et la droite pour expliquer ce que ça veut dire, en tout cas pour moi, la définition de la gauche et de la droite dans laquelle je me reconnais et qui fait que donc bah, dans cette définition-là, je suis de gauche. C'est-à-dire que, en gros, globalement, tiens, ça, j'ai pas prévu l'insertion de mon petit panneau que je remets plusieurs fois sur la définition de la gauche et de la droite sur laquelle je me base, qui s'appuie sur l'histoire et aussi sur la notion de sinistrisme qui fait que, au fur et à mesure, les mouvements politiques se décalent vers la droite, pardon. Qui est donc en gros que le clivage gauche-droite correspond en gros à un clivage futur-passé, qui est que on est de gauche quand on veut inventer un monde nouveau. Et on est de droite quand on veut préserver le monde tel qu'il est ou revenir au monde tel qu'il était avant. Sachant que préserver le monde tel qu'il est, comme il n'est jamais comme il est que depuis 10 minutes,
C'est aussi une référence au passé. En fait, si on veut préserver le monde tel qu'il est, c'est qu'on considère qu'il a bien, marché pendant ces derniers temps. Donc voilà, donc c'est la pensée commune aux conservateurs et aux réactionnaires, quoi, aux ceux qui veulent maintenir l'état des choses ou ceux qui veulent revenir en arrière, c'est toujours une référence au passé. Soit c'était mieux avant, soit c'était bien jusqu'à maintenant, quoi, voilà. Et la gauche, c'est de se dire, bah non, en fait, c'est pas bien maintenant, c'était pas mieux avant, en fait, il faut inventer des choses nouvelles. Donc voilà, donc là, dans cette définition-là, je suis de gauche. Je peux me dire socialiste au sens historique. Évidemment, c'est compliqué parce que ça demande plein d'explications à chaque fois, parce qu'évidemment, on a un parti socialiste qui n'a absolument rien de socialiste et qui crée la confusion. Mais voilà, bon, le socialisme, historiquement, c'est un peu tous les courants de pensée qui ont voulu abolir le capitalisme et inventer un système pour le remplacer qui soit essentiellement le point commun, c'est que ce sera un système plus égalitaire. C'est le truc principal. Et après, bon, bah voilà, le socialisme, ça se divise en plein de courants avec l'anarchisme, le communisme, le socialisme réformiste, voilà, un tas de choses. Donc voilà, je suis de gauche, je suis socialiste. Je suis, disons que parmi tous les courants, après j'ai beaucoup de mal, j'ai pas d'auteur auquel je m'identifie particulièrement, j'ai pas de courant idéologique très précis, mais je sais desquels je suis les plus proches et les moins proches, quoi. Disons que je suis quand même beaucoup plus proche de l'anarchisme que du communisme, voilà, par exemple. Donc, okay. Plutôt communisme libertaire qu'autoritaire, quoi. On peut dire comme ça. Okay. Ça dépend après des définitions, évidemment. Des mots. Et voilà. Donc, moi, je suis orienté comme ça. Et après, je ne sais pas si on... Enfin, bon, je vais te laisser me poser la question. Ça va être plus simple. Du coup, là, ça y est, on vient d'expliciter du coup, la raison d'existence de ce live. Donc, ce croisement du coup entre une pensée rationaliste et une vocation, on va dire, du coup progressiste par rapport à ce que tu viens de dire. Moi j'aurais dit révolutionnaire, mais du coup je pense qu'on est plus ou moins d'accord. Moi ce que je dis souvent, c'est je suis révolutionnaire s'il y a une révolution et réformiste en attendant. Voilà. Un certain pragmatisme, donc. C'est ça. Moi, je prends les avancées d'où qu'elles viennent. Je pense que ça peut venir de tas de choses différentes et qu'il n'y a pas de règle absolue sur le fait que ça ne peut venir que de l'un ou que de l'autre et tout ça. Et donc, bah, je prends tout ce qui vient, quoi. Effectivement, c'est pour ça que j'ai beaucoup participé aux luttes récemment contre la privatisation de la SNCF, alors que personnellement, protéger un service public, un service d'État, au-delà du fait que ça me soit, enfin que je trouve ça forcément important et que ça permet à beaucoup de gens de vivre. C'est défendre des services d'État, c'est pas tout à fait la logique la plus anarchiste possible, quoi. Mais dans cet même esprit pratique, effectivement, ça me semble nécessaire de participer à ces luttes et donc au mouvement social actuel. Donc voilà, on a posé un peu les bases. Moi, notamment, le sujet que je voulais aborder plus particulièrement avec toi, c'était du coup la neutralité de la science, que du coup, là, on a un petit peu posé déjà à travers le contexte. Notamment, je me réfère à ta vidéo sur le darwinisme social, si je me trompe pas. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Le darwinisme social où tu... Mon épisode 5 pour information. Ouais, je vais... Invraisemblable de penser... Qui s'appelle d'ailleurs en titre Darwinisme social, 2. Science versus politique. Science versus politique. Donc, ah oui, c'est vrai. En gros, je me sers du sujet du darwinisme social pour introduire ma vision des rapports entre science et politique. C'est ça. En fait, je vais
expliquer ça. Je sais pas du coup si ça vaut le coup que je mette l'image à la place de ma tête, puisque tu le mets à côté, je sais pas. Bon, je peux le faire. D'accord. Bon, bah, du coup, pour moi, voilà, y a, dans le débat, c'est souvent le cas, hein, je me retrouve au milieu de deux positions que je trouve pas bonnes, voilà, mais qui se foutent sur la gueule, et moi, j'ai l'impression d'être au milieu. C'est-à-dire que je pense pas que la science puisse dire ce qu'il faut faire en politique, mais par contre, je pense que la science a quand même un intérêt en politique et est très importante en politique. Et en fait, du coup, la façon dont j'explique ça, c'est qu'il y a trois étapes pour faire une idéologie politique. C'est voilà, l'étape 1, on est censé observer le monde tel qu'il est, essayer de le décrire le mieux possible. L'étape 2, c'est on est censé imaginer comment on voudrait que le monde soit. Et l'étape 3, c'est comment on propose des changements pour passer du monde tel qu'il est au monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Et en fait, là où la science a vraiment absolument rien à dire, c'est sur l'étape 2. Il y a en fait toutes les questions qui se posent à l'étape 2, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faudrait que les choses soient et tout ça. Bah, c'est pas des questions scientifiques, c'est pas des questions que tu peux tester en laboratoire. Tu vas pas faire une expérience qui va te prouver qu'il faut plus d'égalité ou moins d'égalité ou qu'il faut que les gens qu'il faut que ton objectif ce soit que le plus possible de gens soient heureux ou qu'il faut que ton objectif ce soit de respecter la parole divine ou je sais pas. Enfin voilà, il peut y avoir des tas d'objectifs complètement différents. Et il n'y a absolument rien en science qui permet de les départager. C'est pour ça que, du coup, pour moi, voilà, sur l'étape 2, la science n'a absolument rien à dire. Par contre, sur le constat, observer le monde et essayer de le décrire de la façon la plus juste possible, c'est exactement le boulot de la science. Et le problème, c'est que si tu, dans ton déroulement de ta pensée politique, tu commences par faire un constat qui est faux, genre, voilà, tu t'appuies sur des données qui n'existent pas, en fait, c'est pas vraiment comme ça qu'est le monde, bah, tout ton projet politique n'a aucun sens, en fait. Si tu veux construire un projet politique qui part d'un monde imaginaire pour arriver à un autre monde imaginaire, bah, c'est très bien, mais tu pourras jamais l'appliquer dans notre monde réel, quoi. Donc, si, en tout cas, on peut dire que si ton objectif, c'est quand même que tes idées soient réalisables, que tu puisses les défendre et que ça ait un sens, quoi. Bah, il faut que ton étape 1, ton constat, soit conforme avec, avec les résultats scientifiques. Et là, du coup, bah, la science peut complètement délégitimer, on peut dire, un projet politique s'il s'appuie sur des constats absolument faux. Et ce, sans du tout prendre position sur l'objectif final, quoi, sur l'étape 2. Il n'y a pas besoin que la science prenne position sur l'objectif final si le constat de départ est faux, c'est juste un projet politique qui n'a aucun sens. Voilà l'exemple que je donnais, c'est pour ça que j'ai fait un épisode entier, par exemple, pour démonter la notion de race scientifiquement. C'est que le projet politique raciste implique que la notion de race existe, que ça a une réalité. Voilà, et même d'ailleurs ça implique plein d'autres hypothèses, hein, genre la plupart des projets politiques racistes imaginent que avant les races étaient plus pures, ils imaginent aussi qu'il y avait une hiérarchie naturelle entre les races. Bon, toutes ces choses là c'est juste absolument faux scientifiquement. Donc après tu peux faire le projet politique que tu veux dessus, si ton constat est faux, genre par exemple si tu veux que ton projet politique ce soit de retrouver la pureté originelle des races, s'il n'y a jamais eu de race et s'il n'y a jamais eu de pureté originelle, ton projet politique n'a juste aucun sens, il est irrationnel en fait. Donc là il n'y a même pas besoin de juger l'idéal, quoi. La science peut dire ok, tu as tout à fait le droit de vouloir retrouver la pureté originelle des races. Sauf que tous les projets que tu vas faire pour y arriver, ils vont échouer parce que juste tu te bases sur des notions qui n'existent pas. Donc voilà, il y a... Après, moi, je me poserais des questions sur le droit même de formuler
ce genre de projet quand même. Enfin, genre, bah, surtout que en fait. la pureté originelle des races, ça s'accompagne quand même souvent de processus violents et Ah oui, mutilants bien qu'on sûr. peut tout à fait. Mais la façon dont on peut s'y opposer, c'est pas par la science, en fait. S'opposer à l'idéal raciste, on ne peut pas s'y opposer par la science, par des réponses scientifiques, en fait. Y a pas, rien dans la science ne permet d'affirmer que ce n'est pas bien de vouloir ça. De toute façon, la science ne dit jamais c'est bien ou c'est pas bien, elle dit c'est vrai ou c'est faux. Ouais, mais alors du coup, je vais expliciter du coup un peu plus ma position. Je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que la science n'a pas à juger si c'est bien ou pas qu'un projet politique comme par exemple le bonheur ou l'égalité comme projet politique serait adéquat ou non. Alors, je suis à la fois d'accord avec toi, mais je vais nuancer en fait, parce que je pense que quand du coup, tu fais intervenir des catégories comme bonheur ou égalité, moi, ça me fait enfin, je trouve que c'est des catégories morales où effectivement la science est très vite désarmée pour juger d'un projet moral. Effectivement, c'est pas sa fonction. Mais pour moi, qui en tant que libertaire, du coup, ne promeut pas un projet programmatique en fait. Moi, quand je veux faire la révolution, c'est pas pour. Enfin, c'est pas en me calquant sur un projet en fait, c'est plutôt en me basant sur ce qui est nécessaire. Et ce qui est nécessaire, la science peut m'apporter des réponses là-dessus. Tu vois, il y a une opposition entre un projet politique défini et un mouvement politique en évolution qui se base sur les nécessités de la lutte et de la vie même en fait tout simplement. Si je pense pas que on pourrait du coup peut-être parler je sais pas d'une science incarnée même si je trouve que ça fait très ésotérique comme terme mais une science incarnée pourrait nous permettre de juste définir le fait de vivre. Voilà, ça me semble. Enfin voilà, en tant qu'être vivant, le projet de juste vivre, ça me semble être un projet minimal sur lequel la science peut me donner de nombreuses réponses. Et en l'occurrence, par exemple, aujourd'hui, on voit que notre modèle autoritaire, objectivement, il nous pousse à l'autodestruction de la planète. Et que même si par le passé, l'autorité a pu être un avantage évolutif pour nous organiser. Clairement, aujourd'hui, c'est ce qui nous pose problème. Donc, à partir de là, on peut définir la nécessité d'abolir cette autorité comme un projet rationnel. Et du coup, dans ce sens-là, je pense que quand tu rappelles que la science peut disqualifier des projets réactionnaire qui se base sur un constat qui de base est erroné, du coup, là tu les appliques à des schémas plutôt passés, mais on peut aussi faire ce constat sur des projets futurs, enfin ce que tu as fait aussi. Et du coup, on se retrouve quand même avec quelque chose de relativement prescriptif, même si effectivement ça se base pas sur des projets moraux. Tu vois ce Alors, que je veux dire? je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas d'accord. Donc, Vas-y. là, je pense qu'on est sur la partie que je n'ai pas explicitée, c'est l'étape 3. C'est-à-dire que une fois que on a défini un constat du monde tel qu'il est, qui doit, normalement, dans l'idéal, il est censé correspondre à l'état des connaissances scientifiques. Une fois qu'on a aussi défini un objectif, donc voilà, vers quoi on veut aller, mais là, pour le coup, la science n'a rien à dire là-dessus. Par contre, en troisième point, on peut du coup essayer de développer la meilleure méthode pour passer du constat à l'idéal. Et ça, pour le coup, la science peut dire des choses, effectivement. Mais par contre, elle ne dit des choses que par rapport à l'objectif que tu t'es choisi. Et ça peut aller très loin, mais pour moi, il y a toujours un objectif qui est toujours inaccessible au questionnement scientifique, qui soit
énoncée clairement ou pas. Il y a plein de gens qui se rendent pas compte qu'ils sautent cette étape de l'objectif. Genre, par exemple, justement sur le darwinisme social ou sur le racisme ou sur le sexisme, ou enfin, plein de choses que j'ai abordées et dans lesquelles j'ai utilisé ce schéma-là. L'objectif qu'il y a à l'étape 2 et qui est à chaque fois exactement le même, c'est il faut calquer la société humaine sur la nature. Or, ça, c'est un objectif qui est complètement arbitraire et complètement contestable. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, avec le fait qu'il faudrait calquer la société humaine sur la nature. Mais je ne peux pas démontrer que c'est faux, qu'il le faut. Je dis juste que moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas mon objectif de calquer la société humaine sur la nature. Mais simplement, après, si les... Bon, pour les races, en fait, ça va très vite de disqualifier le projet raciste, puisque dès le constat, c'est faux. Mais déjà, ça n'a pas toujours été le cas. Au XIXe siècle, la science était d'accord sur le constat. Et ça n'empêchait pas qu'il y avait quand même débat sur qu'est-ce qu'il faut faire de ça. Genre, si la science te dit, oui, il y a bien des races, elles sont bien hiérarchisées... tout ça, et avant il y avait bien une pureté des races et tout, ça te dit pas si c'était bien que ce soit comme ça et il faut essayer de le retrouver, il faut calculer la société là-dessus et tout ça, ou si au contraire tu te dis bah non, la nature fait des choses, mais moi je trouve ça injuste, je suis pas d'accord avec cet état des choses et je suis prêt à aller contre la nature pour d'autres objectifs comme plus de justice, plus d'égalité, plus de bien-être, plein de choses comme ça. Ou même, si là, apparemment, toi, ça a l'air, ton objectif a l'air, l'objectif que tu as cité là, pour justifier tes idées, bah, c'était la survie de la planète et de l'espèce humaine, on va dire. Ouais. Bah, même ça, c'est un objectif qui est pas démontrable scientifiquement. On peut très bien décider que non, l'objectif c'est par exemple de suivre les commandements divins, même si ça aboutit à nous faire crever et disparaître, ou de suivre la compétition à outrance comme modèle. Ça c'est le darwinisme social. Voilà, c'est là où je voulais en venir sur le darwinisme social. Par exemple, là du coup, c'est pas au moment du constat que ça pose problème. Le darwinisme social, bon, base sur l'idée que la sélection naturelle, c'est basé sur la compétition. J'ai vu dans ton live avec Franck Grousset et Ernesto que tu n'étais pas d'accord avec ça. Bon, moi j'ai lu Darwin, j'ai lu aussi Kropotkin. Dans les deux cas, effectivement, enfin, sur le cas de Darwin, on surestime l'aspect compétition et on oublie qu'il a parlé de la coopération aussi. Mais n'empêche qu'il y a les deux. Enfin, voilà, il y a de la compétition aussi. Et même d'ailleurs, la coopération est vue comme un avantage compétitif. C'est-à-dire un groupe qui coopère a un avantage compétitif sur un groupe qui ne coopère pas. Donc du coup, c'est quand même lié les deux. Il y a un aspect compétition et un aspect coopération. Mais de toute façon, constater que c'est comme ça que marche la nature ne nous dit pas qu'il faut imiter la nature dans notre société. Et ça, c'est le truc, l'aspect choix d'un idéal que fait le darwinisme social, qui n'est jamais explicité. Ça leur paraît tellement évident qu'ils ne prennent même pas la peine de le dire, qu'ils disent qu'ils ont cette étape-là de raisonnement qui dit « il faut imiter la nature ». Sauf qu'on peut constater exactement la même chose. Oui, effectivement, le darwinisme fonctionne comme ça. On pourrait même constater scientifiquement que la sélection naturelle, ce serait vraiment exclusivement de la compétition, et choisir quand même de dire « mais la nature n'est pas notre modèle pour la société humaine, on peut faire autrement ». Il n'y a rien qui nous empêche scientifiquement de décider ça. Et après, sur la troisième étape, là où la science retrouve un intérêt et où effectivement elle retrouve un rôle, c'est ce que tu disais, elle peut nous dire « si vous faites ça, vous allez obtenir ça. Si vous faites ça, vous allez obtenir ça, et tout ça. » Et du coup, sur la méthode, elle a son mot à dire. C'est-à-dire que si, par rapport à ton objectif à toi, que tu choisis arbitrairement, ben, elle peut te dire la meilleure méthode pour y arriver à partir du monde actuel.
Donc effectivement, on peut dire, bon ça en plus c'est discutable, hein, mais on peut dire que éventuellement que la science nous montrerait que si notre objectif c'est la survie de la planète, de l'espèce humaine et tout ça, eh bien alors le projet anarchiste est une meilleure méthode. Enfin, ce que veulent les anarchistes est une meilleure méthode que ce que veulent les capitalistes, par exemple. Mais ça reste si notre objectif est ça. Si on a un autre objectif, la science nous dira autre chose. Si notre objectif, c'est la destruction de la planète, on peut imaginer, hein, je sais pas, il y a des gens qui peuvent vouloir ça. Ouais, bah, si notre objectif, c'est la destruction de la planète, alors le capitalisme, la science nous dit que c'est un très bon système. Ça marche vachement bien. Bah, voilà. 50 ans, plus de planète, et waouh, efficace. Mais ouais, mais justement, je trouve qu'il y a... Il y a un positionnement assez abstrait là-dedans, dans le sens où, tu vois, quand le sujet, c'est l'effondrement de la civilisation, et pas que de la civilisation aussi, enfin, on a perdu la moitié des espèces vivantes sur Terre en 40 ans, donc c'est notre civilisation et la vie aussi plus largement, parce que, aussi, qu'est-ce que ça peut donner 200 centrales nucléaires qui explosent parce qu'on n'est plus capable de les gérer. Enfin, voilà, la vie elle-même... est en danger. Enfin, le capitalisme met la vie en elle-même en danger. Du coup, quand on est quand même sur ce genre de sujet, je me dis... Enfin, je trouve ça... Notamment, j'ai un pote qui a été invité pour parler de ce sujet de l'effondrement, et on lui a dit « Ah non, mais en fait, vous prenez trop un parti pris, parce qu'effectivement, bah, lui, il était... juste pour vivre, en fait, voilà, c'est l'effondrement, on va le vivre, quoi. Donc je trouve ça très abstrait de parler de l'effondrement comme si c'était quelque chose, enfin, voilà, juste un objet de connaissance et qu'on n'allait pas le vivre et que ça n'avait pas d'implication sur nous. Je trouve ça très étrange en tant que scientifique de dire, oui, voilà, ça va s'effondrer dans X années, c'est ce que toutes nos projections nous montrent. Après, il y a plusieurs modèles possibles, etc., mais je trouve ça très abstrait derrière de ne pas se positionner en tant qu'être humain et de formuler des projets par rapport à ce constat. Mais déjà, ça veut... Enfin, c'est pas... Enfin, c'était une blague quand je dis qu'on peut avoir comme projet la destruction de toute vie sur Terre, des choses comme ça. Évidemment, a priori, je pense pas qu'il y en ait qui ait ce projet, quoique bon, dans une secte ou comme ça, il y en a peut-être quelques-uns, mais voilà. Mais il y a par contre plein d'autres projets qui juste considèrent que l'objectif principal n'est pas le maintien d'un écosystème viable et la survie de l'espèce humaine. C'est juste pas leur objectif, même si peut-être que si tu réussis vraiment à leur montrer que ça va être la conséquence, tout ça, ce qui est encore, enfin, vraiment, je pense que c'est quand même un peu abusé de dire que c'est complètement démontré. Enfin bon, déjà, la science prétend pas détenir la vérité absolue. La science dit l'état des connaissances actuelles. Donc bon, on pourrait éventuellement se tromper. Les prévisions peuvent être mauvaises. On peut aussi dire que c'est possible que si la catastrophe écologique arrive telle qu'elle est décrite, c'est pas évident que ce sera la fin complète de l'espèce humaine. C'est possible aussi qu'il y ait juste l'effondrement de plein de civilisations et puis quelques humains qui survivent et qui retournent à un état où bah, ils sont tellement peu nombreux qu'ils polluent plus assez pour mettre en danger la planète ou ce genre de choses et tout. C'est des choses, évidemment, si tu les décris, si tu arrives à convaincre une personne que c'est ça qui va être la conséquence de notre système actuel, peut-être qu'il va prendre conscience et se dire oui, non, en fait, j'avoue que mes objectifs ne valent pas grand-chose à côté de ça, parce que c'est quand même grave et ce n'est pas ce que je souhaiterais. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est un truc qui est très important pour moi, c'est qu'il faut prendre conscience que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, vraiment. Et que si toute ta vie, ta façon de penser est tournée vers le fait, par exemple, qu'il y a un Dieu créateur qui a un projet pour nous, qui sait ce qu'il veut qu'on fasse et qui nous l'a écrit dans un bouquin et qu'il faut respecter ça à la lettre et
c'est juste il faut le faire, c'est même pas il faut le faire parce que c'est pas il faut le faire parce que ça va sauver l'humanité de la catastrophe et tout, c'est juste il faut le faire parce que c'est Dieu qui l'a dit et que l'objectif de la personne c'est de suivre la volonté divine. Mais à ce moment-là, ça peut justifier des tas de choses, même si scientifiquement on prouve que ça aboutit à la fin de l'écosystème, les gens peuvent te dire oui, mais les voies de Dieu sont impénétrables. Peut-être que Dieu veut que le système s'effondre pour aboutir à un truc plus sain. Je sais pas, il veut un deuxième déluge, j'en sais rien, un truc comme ça. Ça, c'est un exemple, mais ça peut être plein d'autres choses, avec évidemment des croyances qui se rajoutent. Genre, je sais pas, tu peux te dire que Dieu va nous sauver au dernier moment de la catastrophe, ou alors tu peux te dire si tu crois à fond. Comme un darwiniste social, je préfère dire spencerisme hein, d'ailleurs, parce que c'est surtout Herbert Spencer hein, qui dit ça, c'est pas Darwin. Si tu crois vraiment qu'il faut faire un système entièrement compétitif et se prendre pour modèle les animaux les moins sociaux qui existent, les plus solitaires et qui se foutent sur la gueule tout le temps et tout, pour faire la société. Parce que tu es persuadé, c'est ce qu'il disait chez Herbert Spencer, que c'est comme ça que, au final, c'est un peu comme les voies de Dieu sont impénétrables, hein, d'ailleurs, c'est les voies de l'évolution sont impénétrables. C'est-à-dire qu'au final, ça fait le bien quand même, même si on a l'impression que sur le coup, il se passe plein de trucs pas bien. Au final, ça se passera bien. Bah, voilà, tu peux justifier de dire, bon, bah, même avec des catastrophes et tout ça, bah, ça nous forcera à rétablir un peu de compétition qu'on n'a plus dans la société parce qu'on soigne les malades, les handicapés et tout ça. Grâce à ça, les plus faibles disparaîtront et il restera plus que les plus forts et donc ce sera une amélioration de l'espèce humaine. Tu as toujours moyen de trouver d'autres objectifs qui font que quel que soit le constat, tu pourras avoir des propositions politiques différentes et sur lesquelles la science ne pourra pas trancher en tant que telle. Bah, moi je pense que là en l'occurrence sur le spencerisme par exemple elle tranche quand même, tu vois, à partir du moment où elle disqualifie certains projets politiques, bah voilà, c'est suffisant, ouais voilà, je trouve ça suffisant en fait pour en faire du coup un outil dans la lutte. Et je pense pas du coup que vivre ça soit de l'ordre de l'objectif, tu vois, c'est plutôt ça me semble juste très nécessaire, tu vois, c'est dans le sens où si il est nécessaire d'abattre le capitalisme pour vivre, il n'y a pas de projet, tu vois. Je t'ai mis comment je vois le spencerisme. Pour moi, ça se divise donc en trois étapes. Ouais, étape 1, la sélection naturelle fonctionne sur la compétition. J'ai mis que la science disait « mouais ». En gros, ouais. Parce qu'il y a de la compétition. Il n'y a pas que, mais il y a aussi. Bon, voilà. Sur l'étape 2, nous devons calquer la société humaine sur la nature. La science n'a absolument rien à dire sur le sujet. Voilà, ça peut être... C'est un choix, quoi. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec ça? Ouais, mais pourquoi ce choix, il serait pertinent? Tu vois, même à ce moment-là, je trouve la science, elle peut nous donner des informations qui nous montrent que le projet ne tient pas debout. Mais tiens pas debout par rapport à quel objectif? Si l'objectif en soi, c'est de calquer la société humaine sur la nature. Si, évidemment, si tu dis nous devons calquer la société humaine sur la nature pour obtenir tel résultat, bah là, du coup, ça décale les choses. Ça veut dire que nous devons calquer la société humaine sur la nature, c'est pas ton idéal, c'est ta méthode. Ouais. Mais que tu as un autre idéal derrière, un autre objectif. Mais si c'est l'objectif lui-même, qu'est-ce que tu veux que la science dise non, vous n'avez pas le droit d'avoir cet objectif, quoi. C'est pas possible. On peut avoir cet objectif-là. Moi, je le trouve ridicule comme objectif, mais concrètement, il y a quand même une bonne partie de l'humanité qui a cet objectif. Hein. Ah, mais justement, la méthode scientifique et la réflexion critique, elle te permet de dire bah non, votre projet, il est pas acceptable. Voilà. Moi, je pense qu'il y a tu vois, quand tu dis non, sur l'objectif, la science a rien à dire, si, quand même, parce que voilà, quand les FAF ils vont dire il nous faut une société autoritaire,
Bah, la science me donne plein d'éléments pour montrer que non, ça collera pas. Mais sauf que, enfin, pour moi, la société autoritaire dans le raisonnement des FAF, c'est pas l'objectif, c'est la méthode. Puisque Ouais. après l'objectif, ça peut être plein de choses. Déjà, ça dépend quelle FAF, mais bon, si tu prends vraiment le fascisme historique ou le nazisme, voilà, si on met de côté les réactionnaires, les bonapartistes. Le fascisme, bah, son idéal, c'est encore une fois, voilà, retrouver l'état naturel, quoi. C'est que pour eux, à l'état naturel, c'est la force qui est la valeur essentielle. Toute la société doit être organisée sur le critère de la force. C'est les plus forts qui doivent dominer et tout ça. Et donc, bah, il faut garder ce modèle parce que c'est comme ça, parce que c'est la tradition, parce que ça a toujours été comme ça, parce que voilà. Voilà, mais là, Et du coup, la science, ils elle peut se disent dire, pas bah non, pour mais ça, c'est autant. pas une raison suffisante, tu vois, pour formuler un projet. Mais ils disent. Le truc, c'est qu'ils disent pas pour autant que ça va apporter la longue durée de la civilisation, que ça va apporter le bien-être des gens. Le bien-être des gens n'est pas leur objectif. Le bien-être d'eux. Ah oui, bon, alors là, après, c'est des objectifs cachés psychologiques, on va dire. Mais ce n'est pas vraiment les objectifs qu'ils énonceront dans un projet politique, quoi. Oui, ils sont plutôt Ils sur vont pas dire des je fais ça notions pour mon bien-être d'ordre, à moi, quoi. etc. Oui. Mais voilà, c'est l'ordre naturel pour eux. Et si c'est naturel, c'est bien. Alors il faut le respecter. Et point. C'est tout. Il n'y a absolument pas de question de savoir est-ce que ça va nous permettre de survivre, est-ce que ça va nous permettre de. Voilà. Donc. Mais justement, tu vois, quand tu dis méthode, enfin étape numéro 2, méthode, il faut Non, calquer numéro 2, c'est l'idéal. Et c'est l'étape numéro 3, la méthode. Ah d'accord, excuse-moi. Mais du coup, donc étape numéro 2, l'idéal, il faut calquer la société sur la nature. Bah là, pour le coup, tu as la zététique qui a un mot exprès pour montrer ce biais. Tu vas pouvoir m'éclairer, je crois que c'est l'argument ad naturam ou un truc comme ça. Oui. Et qui nous Mais en montre du coup que fait, rationnellement, ça n'a pas de pertinence. bah, ça, en fait, ce biais cognitif, pour moi, c'est pas tellement que, comment dire, c'est en fait, si tu essayes de faire une démonstration scientifique, donc je vais d'affirmer des faits, si tu veux affirmer un fait, genre par exemple dire que tel produit est plus dangereux que tel autre produit. Si ton argument c'est parce que celui-là il est naturel et l'autre il n'est pas naturel, bah, c'est un biais argumentatif parce que en soi le fait que quelque chose soit naturel n'est pas une preuve qu'il est moins dangereux. Puisqu'il y a des produits naturels qui sont plus dangereux que des produits artificiels. Enfin, genre, je sais pas, genre une amanite phalloïde c'est dangereux. Donc, ça, c'est un biais dans une argumentation pour essayer de prouver des faits, donc en fait, dans l'étape du constat, si on parle toujours de politique. Voilà. Mais après, en tant qu'objectif, enfin, d'idéal de société, non, enfin, la zététique ne peut pas dire à des gens, vous avez tort de vouloir que la société ressemble à la nature. Sauf si ce truc-là n'est pas leur idéal en soi, mais c'est une méthode pour arriver à autre chose. Et là, éventuellement, on peut leur dire, si votre objectif, c'est pas en soi d'imiter la nature, mais c'est de, je sais pas, d'avoir une meilleure santé, alors, partir du principe qu'il faut tout faire selon la nature, bah, c'est une mauvaise méthode. Là, oui. Mais si c'est juste l'idéal, non, je pense pas que la science ait son mot à dire. Par contre, là où, justement, où je voulais arriver, qui faisait qu'il y avait quelque chose sur lequel on pouvait se rejoindre par rapport à ta vidéo sur Bourdieu, c'est que y a quand même un lien historique
qu'on peut voir entre la pensée scientifique et la pensée de gauche. Tout bêtement parce que, en fait, bon, déjà historiquement, à chaque fois qu'il y a eu la philo qui s'est développée, et la science et tout ça, bah, en même temps, c'est là où on a inventé des nouvelles formes politiques, qu'on a essayé de repenser à des objectifs comme la démocratie, des trucs comme ça. Mais aussi, enfin, il y a une certaine logique dans le fait que si être de gauche, c'est vouloir remettre en cause les choses telles qu'elles ont été jusqu'à maintenant et proposer un nouveau système, et si la pensée scientifique, ça consiste à remettre en cause ce qu'on croyait vrai, le mettre en doute et le tester pour remettre à jour des nouvelles connaissances, il y a quand même un état d'esprit commun sur le fait d'être prêt à remettre en cause ce qu'on pensait être indépassable, ce qu'on pensait être l'évidence et tout ça, qui fait, pour moi, le lien historique, qui fait que, je sais pas, enfin, le lien peut se faire par les francs-maçons aussi, qui ont défendu à la fois bah, des politiques qui étaient très à gauche pour l'époque, on va dire, maintenant c'est plus trop à gauche, mais très à gauche pour l'époque, et en même temps la pensée rationaliste, et tout ça, et qu'en face, bah, surtout la droite religieuse, c'est assez évident que ce n'est pas les premiers à être sceptiques, à être rationnels et tout ça, s'ils parlent de la religion. Mais il y a aussi ce lien avec justement l'appel à la nature, c'est que, évidemment, les gens à qui tu pourras dire quand tu fais appel à la nature, c'est un biais cognitif si tu veux démontrer quelque chose, bah, ça va être un peu les mêmes personnes qui vont avoir tendance à dire qu'il faut faire comme la nature, c'est l'idéal. Et c'est un truc que tu retrouves dans en fait, en gros, c'est l'essentialisme, quoi. C'est la pensée de droite, elle est basée sur l'essentialisme. C'est ce qui a été le cas jusqu'à maintenant, c'est bien parce que c'était comme ça avant, voilà, parce que c'est naturel, parce que c'est l'essence des choses, et on ne doit pas le changer, on n'a pas le droit de le changer. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'idéologies de droite dont l'étape 2, l'étape sur l'idéal, c'est il faut imiter la nature, quoi. Et évidemment, la pensée sceptique, comme c'est un biais cognitif qu'elle rencontre très souvent, bah, ça fait qu'elle va se retrouver très souvent en contradiction avec des idéologies de droite. Mais plus parce qu'ils vont utiliser cette idée il faut imiter la nature, c'est bien, quand ils affirment des choses, que le fait qu'ils aient cet objectif en soi. Ça, c'est pas critiquable. Par contre, à chaque fois qu'ils vont l'appliquer pour dire « alors du coup, tel produit est plus dangereux » ou « alors du coup, telle façon de faire est pas bien parce que c'est pas naturel » et tout ça, genre, je sais pas, la nature fait que il faut un homme et une femme pour produire un enfant, alors, du coup, c'est pas l'homosexualité, c'est pas bien. Là, pour le coup, il y a un raisonnement qui est... Comment dire, c'est... En tout cas, le minimum qu'on peut faire avec le scepticisme, c'est dire qu'au milieu, il y a une étape qui n'est pas dite, c'est il faut imiter la nature. Et au moins le révéler, dire oui, mais là, il y a cette étape-là. Est-ce que vous êtes sûr d'être d'accord avec cette étape-là du raisonnement ? Et bah, y a beaucoup de gens en fait qui la remettent pas en cause, quoi, qui partent du principe que c'est vrai. Je me perds un peu, hein, et tu me laisses trop parler. alors du coup, est-ce qu'on pourrait pas formuler un projet politique, mais sans objectif, sans étape idéale ? Bah, je pense pas. Pour moi, c'est comme la politique. Par rapport à la philosophie ou la science et tout, c'est un peu comme de la technique. C'est-à-dire que... Tiens, justement, tu donnais l'exemple dans ta vidéo des sociologues qui sont embauchés par des entreprises et du coup, dont les talents sont utilisés au profit du capitalisme. Quand ils sont embauchés, ils ne sont pas embauchés en tant que scientifiques, ils sont embauchés en tant que techniciens. C'est-à-dire qu'ils ont les connaissances scientifiques nécessaires, mais on va leur demander, non pas de faire de la recherche, mais d'appliquer ces connaissances dans un objectif particulier. Il se trouve que cet objectif, c'est la rentabilité de l'entreprise. Ils pourraient utiliser exactement les mêmes connaissances
pour un objectif qui n'aurait rien à voir et faire des choses très bien. Tu vois, s'ils font des s'ils utilisent ces connaissances pour le capitalisme, c'est parce qu'on leur a donné un objectif technique particulier. Ça peut être un objectif politique aussi, hein, si l'entreprise est très... Mais du coup, là, on retrouve bien l'objectif. Ouais. On retrouve bien l'objectif qui, du coup, a servi la science. Ah oui, bien sûr. Ben après, du coup, les connaissances, elles peuvent servir à tout et son contraire dans le domaine technique, cette fois. Et la technique, c'est pareil que pour la politique, ça ne marche qu'avec un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne fabriques pas d'outils. Enfin, des outils, tu les fabriques pour faire quelque chose, quoi. Et ce choix de ce que tu veux faire, bah, c'est un choix arbitraire, quoi. Enfin, c'est toujours arbitraire, quoi. Ouais. En fait, je vais te raconter une petite anecdote dans ma vidéo. Attends, juste je voulais préciser, pour moi, la conséquence, si tu dis on peut faire un projet sans objectif, un truc politique, je sais pas, quelque chose de politique sans objectif, pour moi, c'est comme si tu n'as pas d'objectif, tu ne fabriques pas d'outils. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne fais pas de politique. Tu n'as pas de motivation si tu n'as pas d'objectif. Tu peux pas prendre de décision si c'est pas dans un but. Je suis pas sûr, surtout quand j'affirme le fait que vivre n'est pas un but, mais juste un état de fait. Pourtant, tout le monde n'est pas d'accord avec cet objectif. Ouais, voilà. Regarde les gens qui regarde, par exemple, Daesh, tu crois qu'ils partagent l'objectif de vivre ? Genre les kamikazes de Daesh, a priori leur objectif c'est pas vivre. Effectivement, ça serait très encombrant pour leur modalité d'action de vouloir vivre. Oui. Non, oui, leur objectif c'est d'accomplir la volonté divine. Et il se trouve que la volonté divine peut impliquer d'aller contre la vie. Mais c'est pas grave pour eux, puisque leur objectif n'est pas la vie. C'est un autre objectif, effectivement. Mais c'est à savoir, est-ce que vivre est un objectif? Ça nous dit pas encore si vivre est ou n'est pas un objectif. J'ai quand même du mal, je t'avoue que là-dessus, je suis pas du tout... Enfin, j'ai pas d'avis tranché, hein. Je suis très honnête quand je te pose la question, on réfléchit tous les deux, parce que je sais que c'est effectivement... Le point en fait qui permet de savoir ou pas si vivre ça peut être considéré comme un objectif ou pas. Moi j'ai du mal à considérer que vivre ça soit un objectif, dans le sens abstrait, tu vois. Je pense que c'est quelque chose d'assez vraiment premier, quoi. Donc c'est plus de l'ordre du nécessaire que de l'objectif. Après, je me rends bien compte que il y a quand même une... il y a, comme tu peux le dire, après tout, on pourrait qualifier vivre d'objectif. Donc là-dessus, moi j'ai quand même tendance à dire que c'est premier et que ça rentre pas... Ça rentre dans le cadre de la nécessité et pas de l'objectif. Je vais dire un truc pas cool, mais pour moi, si tu considères que vivre c'est pas un objectif, c'est un truc premier, en fait t'es juste en train d'essayer d'imposer ton objectif à tout le monde. J'essentialise la vie, ok. même manière d'ailleurs que même la sélection naturelle, le résultat c'est que ça favorise la multiplication et le maintien de la vie, mais c'est pas le but de la sélection naturelle. La sélection naturelle n'a pas de but. Elle est comme ça, et puis voilà, il se trouve que la conséquence est que, et que ça survit, mais ce n'est pas le but de la sélection naturelle de survivre. C'est pour ça, d'autant plus, tu vois, quand tu me dis ça, d'autant plus envie de considérer la vie comme quelque chose de nécessaire, et pas comme quelque chose de l'ordre du but. Tu vois, la différence entre la sélection naturelle et toi, c'est que toi, tu es conscient, et tu fais des choix conscients. Et du coup, tu peux soit choisir de faire des trucs dans l'objectif de vivre et que tout le monde vive, soit choisir de faire des choses dans un autre objectif, comme respecter la volonté divine, qui peut être de vouloir massacrer tout le monde,
Bah, justement, moi, du coup, c'est pour ça que j'ai envie de faire la citation vivre et laisser vivre. Tu vois, genre, j'ai pas forcément d'objectif, et moi, ça me dérangerait pas de vivre sans avoir d'objectif politique précis, enfin, genre de projet, de société. Enfin, non, moi, du moment que déjà, si aujourd'hui je suis engagé dans un processus révolutionnaire, c'est parce que la société m'empêche de vivre. Donc, une fois que j'ai la possibilité de vivre normalement, je ne vais pas forcément me lancer dans des grands projets de société, gna gna gna, tu vois. Donc, c'est juste pour toi l'objectif. C'est juste si toi tu peux vivre, c'est bon. Non, mais après, c'est collectif, bien sûr, mais. Mais je veux dire, quand je dis ça, je pense que c'est une part aussi de beaucoup. Regarde, je sais pas, quand on voit. À la ZAD, par exemple, tu peux vivre. Enfin voilà, le premier. Enfin, la question qui se pose, c'est comment on vit juste. Et il n'y a pas forcément d'objectif, tu vois, genre, où il y aurait un cadre idéal qu'il faudrait atteindre. Tu vois. Mais il y a presque un certain productivisme là-dedans, je sais pas. Enfin, je fais des écarts un peu énormes, mais. Pour moi, il y a des objectifs dans la ZAD, même si, oui. Effectivement, c'est non, pas un objectif qui consiste, qui a pour projet de changer la société dans son ensemble. Tu peux avoir des objectifs moins ambitieux, hein, qui sont à petite échelle et qui disent bon, bah, on va construire notre façon de voir comment la société devrait être à petite échelle dans un coin particulier. Ça peut être ça ton objectif. Et puis d'ailleurs, ouais. Je pense que quand même beaucoup de zadistes, si tu les interroges, ils aimeraient bien que leur modèle s'étende à toute l'humanité. Bah, regarde justement, au moment où. Donc là, on a un exemple un peu concret. On se retrouve donc avec une communauté de gens, à dire donc la ZAD. Il y a un projet. Enfin. Qu'est-ce qui légitime le fait de faire un nouveau puits, par exemple. Enfin voilà, de projet quelconque. Moi, je pense qu'il ne faut pas que ce qui légitime ce projet, justement, ça soit un objectif comme le bonheur de chacun ou quelconque catégorie morale qui rentre dans le cadre de l'objectif, mais plutôt quelque chose de nécessaire. Si on fait ce puits, c'est parce que X personnes ont besoin de boire, tu vois. Et que si ce n'est pas le cas, bah, le puits, je ne vais pas aller le faire, quoi. Mais pourquoi c'est important de donner à boire à ceux qui ont besoin de boire? Bah pour vivre. Tu vois, c'est quelque chose de très terre à terre, quoi. Ton objectif de vivre, mais écoute, le simple fait que face au problème, il y a des gens qui ont soif, tout le monde n'entreprend pas la construction d'un puits, ça montre bien que tout le monde n'a pas cet objectif-là. Tout le monde ne trouve pas ça important que les gens puissent tous boire. Et visiblement, a priori, même s'ils savent que ça risque de faire crever des gens. Donc tout le monde n'a pas l'objectif que les gens puissent vivre. Ouais, mais du coup, moi j'aurais tendance à utiliser comme argumentaire plutôt que des objectifs, genre, ah, regardez, il faut qu'on fasse un puits, parce que comme ça, la ZAD, elle pourra faire ci, elle pourra faire ça, et genre, grand projet, tu vois. J'aurais plutôt tendance à argumenter sur des choses rationnelles. On est tant de personnes, on a besoin de boire. On a besoin de faire ce puits. Tu vois, là, je suis sur de la pure nécessité. En fait, enfin, voilà, ça revient toujours au même truc. C'est la pure nécessité si ton objectif est de maintenir la vie. Voilà. Mais pour moi, ça reste un objectif qui n'est qui est pas forcément celui de tout le monde. Après, je pense que... effectivement, quand tu parles de morale, moi je considère que justement la discussion qu'on va avoir sur l'étape 2, elle n'est pas purement scientifique, puisque la science pour moi n'a rien à dire sur l'étape 2, sur la définition de l'idéal. Par contre, tu vas avoir une discussion ou morale ou éthique, déjà. Pour moi, c'est pas la même chose. Voilà, pour. Pour moi, la différence, en fait, c'est la conscience de l'arbitraire. C'est justement ça. C'est que quand la morale, elle est toujours arbitraire. Elle vient en général d'une autorité extérieure à l'humanité.
peut être un texte sacré, ça peut être, je sais pas, enfin, plein de choses, qui te fait une liste des trucs qui sont bien, des trucs qui sont mal, et tu es obligé de la suivre parce que c'est l'autorité qui te le dit et tu n'as pas à contester cette autorité qui n'est pas accessible aux humains. On ne peut pas remettre en cause l'autorité divine ou ce genre de choses. Avec l'éthique, tu commences par accepter de choisir arbitrairement un objectif. On va dire en première approximation que mon objectif que je choisis arbitrairement, c'est le plus de bonheur possible pour le plus de gens possible. Et après, tu construis des règles de vie, de comment tu penses qu'il faut que tu te comportes et comment les gens devraient se comporter éventuellement pour atteindre le plus efficacement cet objectif, pour que effectivement, au final, le plus de gens possible soient le plus heureux possible. Et ça, si tu le construis entièrement rationnellement, et tu peux même le faire le plus possible scientifiquement, c'est l'étape 3, c'est la méthode. Voilà, une fois que j'ai mon objectif, je peux construire toute une éthique de comment il faudrait se comporter pour avoir des chances que ça arrive. Mais attends, je ne sais pas si tu entends le bordel dans ma rue. Enfin, bon. Non, ça va. Voilà, alors... Pour moi, la différence, c'est que voilà, on part du principe dans l'éthique, contrairement à la morale, qu'on sait que c'est arbitraire, alors que dans la morale, la plupart des gens n'admettent pas que c'est arbitraire, même si ça l'est tout autant, en fait, puisque évidemment, la morale, personne n'a la même. Suivant les religions, ça va pas être les mêmes préceptes moraux, suivant les cultures, voilà. Donc c'est forcément arbitraire, mais ils le nient que ce soit arbitraire. Ils pensent que c'est la vérité absolue qui vient de je sais pas qui et tout ça. Donc déjà, je pense que ce que permet l'éthique par rapport à la morale, c'est la négociation. C'est que si tu as conscience que tu as choisi arbitrairement ton objectif, tu peux discuter avec les gens pour essayer de les convaincre d'adopter le même objectif ou pas, ou si vous avez déjà le même objectif, que ta méthode est la meilleure méthode pour y arriver. Et tu peux accepter de discuter parce que tu n'as pas la vérité absolue, voilà. Mais, ceci dit, là où je te rejoins, et on peut faire le lien avec l'évolution, c'est que, en fait, si je pense que c'est pas si grave que la science ne puisse rien dire sur l'étape 2, c'est que je pense qu'en fait, beaucoup de gens ont effectivement, sans le savoir, des objectifs en commun. Même s'il le nie, en fait. Effectivement, des intérêts de classe. Oui, ça peut être ça. Après, je pars même beaucoup plus loin, c'est-à-dire que la sélection naturelle a fait que, en gros, on va dire, on se retrouve tous avec des tas de réflexes, d'envies, de désirs, de besoins, ou de peurs, ou des choses comme ça et tout, qui sont censés être conçus pour assurer des plus grandes chances de survie, puisque, en gros, ceux qui avaient d'autres réflexes, d'autres trucs qui les menaient à la mort, ils sont morts, donc ils ne se sont pas reproduits, et donc, du coup, il reste ceux qui sont conçus pour survivre, quoi. Ceux qui sont les mieux équipés pour survivre. Et en particulier, un truc que nous a donné la sélection naturelle, c'est le système chez les mammifères, qui a remplacé le système de réflexe, où genre tu as un stimuli et hop, tu as une réaction automatique. Ça a remplacé ça par un système j'ai plus le terme scientifique, mais bon, c'est, en gros, c'est la carotte et le bâton. C'est-à-dire qu'on a des choses qui nous procurent du plaisir, on a des choses qui nous procurent de la souffrance, et on a une raison au milieu qui essaye de pouvoir, on se donne des objectifs. En général, je pense qu'en fait tout le monde fait ça instinctivement, et tout le monde n'agit que pour diminuer ses souffrances ou augmenter ses plaisirs, et on peut réfléchir sur la meilleure manière d'y arriver. Du coup, je pense qu'en fait,
même à chaque fois que les gens se trouvent des objectifs politiques complètement différents, c'est que quelque part, soit ça leur apporte du plaisir ou ça leur évite des souffrances de se donner ces objectifs-là, soit ils croient que ça va le faire, et en vrai non, ils se trompent. Donc du coup, moi pour moi, l'espoir il vient de là, c'est que du fait que on a quand même des tas de choses sur lesquelles on est conçu un peu sur le même modèle. Il y a des tas de trucs qui font plaisir un peu universellement, genre en général, les gens préfèrent une caresse à un coup de poing dans la gueule, par exemple. Voilà. Ou les gens préfèrent manger à leur faim que mourir de faim, en général. Bon, il peut y avoir des conformations d'esprit un peu particulières qui font que finalement, c'est pas le cas. Mais globalement, il y a quand même des tas de trucs qui sont des bases communes. Ça n'empêche pas que ce soit arbitraire. C'est, on l'a dit, la sélection naturelle, elle n'avait pas de but à la base. C'est juste la conséquence de la sélection naturelle qui fait que bah, on a quand même des choses qui nous font plaisir en commun et des choses qui nous font souffrir en commun. Mais et... je ne suis pas certain qu'on puisse dire que la sélection naturelle, elle soit arbitraire. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais je ne suis pas certain que ça soit le bon terme. Parce que derrière arbitraire, moi, je vais y mettre des notions d'autorité, etc., tu vois. Alors que c'est plutôt que la sélection naturelle, elle a pas de but. Ce qui n'est pas la même chose que arbitraire. Elle est téléonomique et pas téléologique. Contingente. Ouais. On peut dire ça, non ? Et contingente. Et voilà, il y a pas de ligne directrice. Voilà, c'est pas un projet qui la pousse, c'est sa propre continuité, quoi. Oui. Et du coup, bon, voilà, le fait d'avoir ces trucs en commun, moi, c'est ce qui me donne l'espoir de me dire que finalement, même si tout le monde a le droit de choisir l'objectif qu'il veut et la science n'a rien à dire contre ça, d'en fait réussir à convaincre beaucoup de gens qu'en fait, ils ont tout intérêt à avoir le même objectif que moi. Qui est effectivement, je sais pas, faire en sorte que la planète tienne le coup, que l'humanité aussi, qu'on vive, qu'on s'en sorte bien, et si possible qu'on soit heureux. Voilà. Donc déjà, j'ai un espoir que finalement les gens s'aperçoivent que finalement ça leur apportera plus de plaisir que la satisfaction d'avoir respecté la volonté divine, même si je pense que ça leur apporte une satisfaction, hein, sinon ils ne le feraient pas. Mmh. Mais je pense qu'ils auraient plus de satisfaction s'ils suivaient des trucs beaucoup plus basiques, comme qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait du mal. Voilà. C'est clair qu'on a tous un intérêt commun de l'ordre de vivre. Ça, vivre, c'est quand même quelque chose, on arrivera très vite à dire on est plutôt d'accord. Ça me va comme objectif commun, enfin, comme ouais, intérêt commun plutôt. Mais le truc, c'est que c'est compliqué parce qu'il y a quand même des croyances qui vont tellement loin que ça peut aller contre ça. Genre, par exemple, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui se sacrifient. Et je pense que c'est parce qu'ils ont tout un système moral dans leur tête qui leur fait dire qui fait en sorte qu'au moment où ils prennent cette décision de se suicider ou de se sacrifier, eh ben, ils ont du plaisir, en fait. Parce qu'ils ont l'impression d'être quelqu'un de bien, et se sentir quelqu'un de bien, bah, c'est un plaisir. Ou alors, ils ont l'impression de s'éviter une souffrance. Genre, s'ils pensent qu'ils n'ont aucune chance d'aller bien dans la vie, bah, mourir, ça peut être s'éviter une souffrance. Je pense même que le suicide ou ce genre de comportement qui peuvent nous paraître... autodestructeurs, ils peuvent être tout à fait analysés, peut-être même comme... quand quelqu'un va se sacrifier, par exemple, ça peut avoir un intérêt évolutif pour le groupe, par exemple, tu vois. Oui. L'empathie, etc., c'est peut-être aussi des choses qui nous permettent, du coup, d'envisager des comportements de l'ordre du sacrifice et qui peut être tout à fait rationnel. Oui, grâce à l'empathie, on peut avoir du plaisir à faire des choses qui sont désavantageuses pour nous-mêmes, mais avantageuses pour quelqu'un d'autre, parce que à travers lui, on prend du plaisir. Savoir qu'on lui fait plaisir,
ou aussi il y a le côté moral de prendre du plaisir à la satisfaction de d'être quelqu'un de bien selon soi, quoi. Justement, tu vois, moi, pour tout ça, j'aurais plutôt tendance à parler du fait que l'empathie, c'est un avantage évolutif et que c'est constitutif de notre condition d'être humain. Et que, du coup, ce genre de comportement, il est plutôt déterminé par la nécessité que par des objectifs. Tu vois. Mais le truc, c'est que si c'était si nécessaire, il n'y aurait pas de combat politique à avoir. Tout le monde agirait déjà pour le bien de tout le monde. Tout le monde ferait déjà ça. Le problème, je pense qu'objectivement, les classes dominantes, elles n'ont pas d'intérêt, en tout cas, elles ne voient pas l'intérêt matériel de sauver la planète, parce qu'en grande partie, elles ne se rendent pas compte qu'elles la détruisent. Mais leur intérêt matériel le plus immédiat, c'est que la domination continue. En fait, oui, le truc, c'est qu'effectivement, pour moi, pour que tout le monde se rende compte de l'intérêt de... du fait que non seulement soi on prenne du plaisir et on évite la souffrance, mais que le plus possible de gens prennent le plus possible de plaisir et évitent le plus possible de souffrance, y a plein de choses, plein d'étapes à faire, en particulier, effectivement, là c'est de l'ordre de la méthode. Si au moins on arrive à se mettre d'accord avec les gens qui abandonnent d'autres objectifs qui, effectivement, pour moi, ce sont des choses qui surajoutent à leurs pulsions naturelles qui sont leurs vrais objectifs. Et donc, qu'on arrive à leur faire comprendre que l'important, c'est qu'ils prennent du plaisir et qu'ils évitent la souffrance. L'étape suivante, c'est de leur expliquer comment. Et là, pour le coup, la science peut être utile sur la question de la méthode, par exemple, par la sociologie, par l'histoire, par l'anthropologie, par plein de trucs. On peut montrer que leur propre intérêt, au final, ils auront plus de plaisir, ils auront moins de souffrance si le monde autour d'eux va mieux aussi. D'où la définition rationnelle du projet révolutionnaire. Parce que c'est nécessaire pour la survie de l'espèce. Et tu vois, on peut formuler du coup un projet révolutionnaire qui s'encombre pas de la morale. Du coup, je vais te raconter la petite anecdote que je voulais te raconter tout à l'heure. Ça fait un siècle. Mais je l'ai en tête parce qu'elle va me servir là du coup. Donc dans ma vidéo Conquérir notre autonomie, j'explique que ce qui doit orienter nos actions, c'est pas l'autorité, ni une catégorie abstraite, ni la morale, mais la nécessité. Donc bon, ce que j'ai déjà pas mal répété là depuis tout à l'heure. Et dans les commentaires, on m'a dit mais voilà là, mais s'il n'y a plus de morale, qu'est-ce qui t'empêche d'aller violer un enfant par exemple? Le son a coupé, je crois. Enfin, j'ai pas entendu. T'as dit, s'il n'y a plus de morale, qu'est-ce qui t'empêche d'aller... violer un enfant. D'accord. Voilà, et genre, j'étais en mode, mais... attends, mais non, mais en fait, c'est le contraire. Qu'est-ce qui me pousserait à aller violer un enfant? J'ai aucun besoin d'aller violer un enfant, tu vois, c'est pas nécessaire. Donc, je vais pas aller le faire, tu vois. Il y a cette vision que sans morale, en fait, absolument tout et n'importe quoi... serait possible, etc. Alors que non, on peut, comme avec l'éthique, réussir à définir un ensemble de comportements adéquats sans forcément s'encombrer de la morale. Du coup, je pense qu'on peut même avoir une éthique qui n'aurait pas forcément d'objectif, qui définit juste des comportements adéquats. Pour moi, il y a toujours un objectif. Même si tu dis que l'objectif du bien-être des gens, parce que pour moi, c'est ça la base de ma pensée éthique, c'est d'abord mon plaisir et mon évitement de la souffrance, dont je pense par mes connaissances qu'il est extrêmement dépendant du plaisir et de l'évitement de la souffrance des autres. D'où le fait que je m'intéresse aux autres et tout ça. Bon, ça déjà, c'est une étape qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Mais ça reste, même si c'est les pulsions que j'ai naturellement, d'avoir envie de plus de plaisir et de moins de souffrance,
Enfin, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bien. Ouais. Donc, du coup, ça reste arbitraire. Après, moi, je préconise d'écouter ces trucs-là et de se dire que oui, en fait, c'est un bon objectif. Et j'ai l'espoir de convaincre beaucoup de gens de choisir cet objectif, même s'il est arbitraire, parce que je pense que beaucoup de gens sont quand même conçus un peu sur le même type de modèle de cerveau, avec le même système de plaisir et de souffrance et tout, et que du coup, il y a des chances de les convaincre. Mais n'empêche qu'il y a des tonnes et tonnes de systèmes de pensée qui ont réussi à faire décaler complètement ça. En particulier, pour moi, l'un des mécanismes de base, en gros, en fait, tu arrives à donner d'autres objectifs que le plaisir et la souffrance concrète que tu ressens à des gens en leur promettant des plaisirs ou moins de souffrance plus tard. Et effectivement, c'est en plus un bon truc, hein, je pense, parce que y a quand même, je veux dire, si tu suis tes besoins immédiats, je pense qu'effectivement, il y a quand même moyen que tu fasses des saloperies. Parce que, genre, je sais pas si t'as. Si t'as très faim et que t'as juste une personne en face qui a un sandwich et qui refuse de le partager, tu pourrais être tenté de le buter. Bon. Je suis pas certain que ce soit la meilleure des stratégies, mais. Ah non, justement, effectivement, je pense que c'est pas une bonne stratégie à long terme. À court terme, oui, si, quand même, c'est efficace. À long terme, c'est ça l'important, c'est de faire comprendre. Ça devient vite problématique, hein, parce que ça implique d'être en conflit avec la personne, etc., de te mettre en danger, etc., tu vois. Oui, bon, bah, sauf si t'es plus fort que lui. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour choisir de ne pas toujours prendre la solution la plus immédiate, la plus facile et tout, il faut savoir se projeter dans l'avenir et se dire que se refuser un plaisir ou un évitement de souffrance ou accepter une souffrance ponctuellement, ça va nous permettre d'avoir plus de plaisir et moins de souffrance à l'avenir. Donc il y a quand même des tas de choses à construire pour avoir une éthique derrière. Après, pour moi, il n'y a absolument pas besoin effectivement d'avoir une morale religieuse ou autre, enfin une morale quoi, un truc vraiment basé sur le bien et le mal, juste des questions d'efficacité pour atteindre tes objectifs à toi. Mais n'empêche que bon, faut quand même avoir assez d'analyse, de recul critique et tout pour pas forcément faire la première idée qui te vient à l'esprit qui est pas toujours la bonne quoi. Ouais. Mais le truc c'est que derrière il y a des tas de gens qui peuvent te construire un discours pour te faire faire des choses qui en fait sont complètement contre tes intérêts parce qu'on te promet des plaisirs à l'avenir ou un évitement de souffrance à l'avenir, mais qui est une arnaque en fait. Allez. Et ça pour moi c'est tout le mécanisme de la religion, c'est-à-dire quasiment toutes les religions, leur morale est basée sur un truc complètement fou, complètement inversé en fait. C'est-à-dire l'essentiel des choses qui font plaisir concrètement, on les interdit, on dit que c'est pas bien, on dit que c'est mal. Et l'essentiel des choses qui sont qui évitent de, enfin, et l'essentiel des choses qui font souffrir, on dit que c'est bien. Tu vas être récompensé de ta souffrance dans la vie. C'est voilà, heureux les pauvres d'esprit. Et voilà, les gens qui ont le plus souffert qui seront le plus récompensés. Donc on t'encourage à, dans toute ta vie réelle, dans le monde réel, souffrir le plus possible et te priver de plein de plaisirs qui pourtant feraient de mal à personne, en te disant que bah, dans ta vie future, ce sera inversé. Toutes tes souffrances seront récompensées en plaisir et tous les plaisirs que tu n'as pas eus, tu les auras en récompense dans l'au-delà. Et là, le problème, c'est que bah, il faut quand même. Ça remonte le côté arbitraire. C'est-à-dire que pour savoir si tu crois ou pas à cette promesse, il faudrait pouvoir démontrer que l'au-delà existe ou pas. Ouais. Et ça, c'est compliqué à démontrer. Et bah, du coup, à défaut de le démontrer, on peut raisonnablement se dire que ça n'existe pas. Oui, enfin bon, moi je suis d'accord que c'est très probablement ça n'existe pas, mais j'aurais quand même
Enfin, je veux dire, voilà, c'est un peu le principe de la métaphysique, quoi. C'est pas testable, quoi, scientifiquement. Tu peux pas démontrer définitivement que l'au-delà n'existe pas, quoi. Ouais, mais justement, tu vois, on en arrive là à quelque chose d'assez intéressant, c'est que la science, elle disqualifie la métaphysique. Tu vois, genre, parce que tout ce qui reste comme argument à la métaphysique, c'est vous pouvez pas prouver que ça n'existe pas, alors qu'en fait, c'est pas un argument rationnel, parce que dire, enfin voilà, c'est pas parce que je peux pas montrer que les licornes n'existent pas que c'est pour ça qu'elles existent. Enfin, voilà, ça c'est. Non, c'est non, l'erreur de raisonnement, c'est de croire que c'est une preuve que ça existe, mais c'est pas non plus une preuve que ça n'existe pas. Donc du coup, tu peux pas prétendre que la science a démontré que ça n'existait pas. Tu peux dire, c'est que la science ne peut pas s'exprimer sur le sujet. Et que dans la méthode scientifique, le plus efficace pour avoir le plus de chances de s'approcher de la vérité, c'est de dire que toutes les choses dont on ne peut pas prouver qu'elles sont vraies, il vaut mieux faire comme si elles étaient fausses. Mais ce n'est pas une affirmation qu'elles sont fausses. Ouais. Mais ça dit quand même déjà quelque chose d'assez précis, quoi. Derrière, on ne peut pas juste se permettre de prendre comme équivalent les deux propositions. Tu vois, c'est un peu pareil avec enfin non, c'est pas pareil. Mais voilà. Ok, bon, de toute manière, je pense que là déjà on a dit pas mal de trucs. J'ai le son qui coupe, j'espère qu'il est dans l'enregistrement, parce que des fois. J'espère aussi, enfin, ouais. Ça va, ça coupe pas trop ? Non, c'est juste la deuxième fois là où j'ai eu un bout de phrase qui a manqué. Ok. Et la première fois, je t'ai fait répéter, donc voilà. Très bien. Bah là, je disais juste que voilà, là déjà, on a fait, on a abordé pas mal de sujets, tout ça. Je sais pas si c'est bien nécessaire de continuer. Je pense que de toute manière, il n'y a pas vraiment nécessité de trancher non plus. Hein. oui, bien sûr. Et je pense qu'au final, on se comprend. Enfin voilà, on a compris nos deux positions dans leur divergence et leur convergence. Donc je pense que c'est pas mal. Mmh. Est-ce que du coup on s'arrête là ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Enfin oui, je sais pas, juste que... En fait, c'est peut-être pour ça, je pense, que sur ma chaîne, j'essaye de plus... Enfin non, mais en même temps, c'est pas vraiment logique. Mais de plus mettre en retrait mes opinions, même si j'en parle, et d'apporter des connaissances, c'est que en fait, des connaissances qui pourraient être acceptées même par des ennemis politiques. Genre par exemple, mon épisode sur la gauche et la droite, je suis très fier de savoir que j'ai plein de gens de droite qui sont d'accord. Parce que... et même d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai eu plus de contestations de gens de gauche hein, de mes définitions que de gens de droite. Ah bon ? Moi, je la trouve très bien hein, cette définition. Bah, en fait, je crois que l'un des trucs qui dérange des gens de gauche, c'est de se dire que si un jour leurs idées seront appliquées, ça deviendrait des idées de droite. Voilà. Mais non, justement, moi je trouve ça très pertinent, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois, même des fois, je le dis, mais avec des parenthèses vraiment, hein, c'est que des fois je me surprendrais presque à qualifier les communistes autoritaires de réactionnaires. Parce que à notre époque, ils promeuvent un projet politique qui vient du passé et qui a montré déjà ses problèmes, quoi, tu vois. Ils veulent revenir à quelque chose qui a déjà pas marché. Tu vois, même si du coup, bon, c'est impropre, hein, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire, quoi. Oui, non, je comprends. Mais du coup, ouais, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a des gens qu'on convaincra jamais parce qu'ils ont vraiment d'autres objectifs que les nôtres et qui sont vraiment très profondément ancrés en eux et qui ne sont pas prêts à remettre en cause. En particulier, je pense que ceux qui sont les plus durs à convaincre, c'est ceux qui s'appuient sur des croyances métaphysiques, donc on ne pourra jamais leur démontrer qu'elles sont fausses, pour avoir d'autres objectifs que juste le bien-être et tout ça.
Mais je pense qu'il y a quand même énormément de gens qui ont un peu les mêmes objectifs que toi, tu considères comme une évidence, que moi je ne considère pas comme une évidence, mais comme quand même un produit de la sélection naturelle qui doit être plutôt partagé. Et du coup, rien qu'en donnant des informations pour clarifier les choses, pour expliquer les différents courants politiques, comment ils pensent, qu'est-ce que c'est, machin et tout ça, qu'il y ait plein de gens en fait qui se rendent compte que non, en fait, ils sont plus d'accord avec ce qu'ils croyaient être leurs idées et qui seraient plus d'accord avec des choses qui me vont moi ou qui te vont toi. Et du coup, c'est pour ça que je pense que je fais à la fois, je fais quand même un travail militant et un truc qui, pour moi, fait avancer mes idées, même quand j'essaye d'être le plus neutre possible juste en expliquant les faits. Et ce qui évidemment est impossible, hein. Il y a toujours une part de subjectivité, mais voilà, en essayant de le faire le plus possible et en mettant moins en avant mes idées, en expliquant juste en quoi consiste telle ou telle idéologie, tel truc et tout, j'ai l'espoir qu'il y ait beaucoup de gens en fait qui simplement se rendent compte qu'en fait ils sont d'accord avec la gauche, on va dire, alors qu'ils ne le pensaient pas. Oui, soyez d'accord avec nous, nous voulons juste vivre libre. C'est quand même pas compliqué comme projet commun. Ouais. Je vais me permettre une dernière digression philosophique, du coup, qui peut-être nous permettrait d'éclairer effectivement ce qui diverge dans nos positions. En fait, tu vois, quand on parle d'intérêt de classe, etc., je trouve que ça efface très vite justement la catégorie d'objectif. Tu vois, si on prend une grille d'analyse d'un monde déterminé, le libre arbitre des individus et leur capacité à formuler des objectifs qui soient autre chose qu'en fait ce vers quoi ils ont été déterminés, bah, ça s'efface un peu. Et que du coup, quand on utilise des catégories comme des objectifs et tout ça, on fait en fait référence à une constitution du sujet d'un point de vue philosophique, tu vois, et du libre arbitre, etc., dont généralement je n'utilise pas, dont justement je n'utilise pas ces catégories, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que c'est ça qui... Parce que moi, j'aurais tendance à pas croire au libre arbitre. Voilà, pour moi, c'est plus de l'ordre de. Mais de moi non plus. Et à mettre en avant les déterminations. Mais moi non plus, je crois pas au libre arbitre. Et moi aussi, je pense que la vie des gens, c'est déterminé par autre chose que leur simple volonté. Simplement, déjà, je pense que les forces qui déterminent ce que va être la vie d'une personne et donc ses objectifs et tout ça, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'expliquait Marx, que ce n'est pas que les classes sociales économiques, et en particulier ne serait-ce que parce que tous les riches n'ont pas la même idéologie, tous les pauvres n'ont pas la même idéologie, et tout ça, donc il doit bien y avoir d'autres choses qui s'ajoutent dessus. Et voilà, bon, pour moi, déjà, il y a plein de groupes dont on fait partie et qui forgent notre opinion, et pas que des groupes économiques, des groupes culturels de toutes sortes. Voilà, et chacun, on est des combinaisons de plein de groupes auxquels on appartient et qui sont tellement nombreux que ça fait des combinaisons uniques à chaque fois, ce qui fait que ça devient plus compliqué de faire des grandes catégories de gens qui pensent tous pareil. Tout à fait, mais ça ne remet pas en cause le cadre déterministe. Ah oui, non, bien sûr. Mais après, je veux dire, si le groupe d'appartenance, l'un des nombreux groupes sociaux auxquels quelqu'un appartient, dedans il y a moi et que je dis certaines choses, ça va pas avoir les mêmes conséquences sur le reste du groupe que si je dis d'autres choses. Donc pour moi, c'est pas contradictoire de dire que je pourrais faire évoluer l'avis de quelqu'un
avec des arguments ou ce genre de choses et tout, et de dire que les avis des gens sont déterminés par les groupes dans lesquels ils appartiennent, parce que je suis membre de plein de groupes sociaux, ne serait-ce que les gens qui regardent ma vie, les gens qui regardent ma chaîne, c'est un groupe social, et ces gens-là, je leur ajoute une détermination de plus dans leur avis en m'exprimant sur ma chaîne. Ce qui n'est pas en plus une détermination directe, hein. C'est même pas une détermination directe, parce qu'évidemment, je ne pense pas que tous les gens qui écoutent ma vidéo vont être d'accord avec moi. Ouais, Mais effectivement, tu fais bien de rajouter ça, mais effectivement, quand je parle de cadre déterministe, je me référais plutôt à la critique marxienne avec un déterminisme ouvert, tu vois, c'est pas du tout une vision mécaniste du développement de la société. Mais effectivement, c'est une critique importante que tu fais bien. Déjà, je pense qu'il y a un truc de base hein, qui est assez évident, c'est que ça arrive que les gens changent d'avis, quoi. Ça, oui, c'est un constat qu'on peut faire tout le temps, donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que forcément, c'est un déterminisme qui est évolutif, quoi, au minimum. Je sais pas, je pense pas que ça soit indéterminé, mais justement, c'est évolutif. Non, j'ai pas dit indéterminé, j'ai dit c'est un déterminisme qui est évolutif. Ok, du coup, on est parfaitement d'accord. Ouais. Ok, bah très bien. Bah, du coup, c'est cool, comme ça, on finit sur, sur un accord. Et en plus, ça fait déjà 1h40, il me semble que c'est bien suffisant pour un live. Et c'est marrant parce que, du coup, je me disais au début. On allait passer plein de temps sur la tronche en biais, finalement on n'est pas revenu dessus. Non. Et c'est rigolo parce que je sais qu'il y a plein de gens qui attendent que je m'exprime sur ces sujets-là et ils vont encore attendre. Ça va être marrant. Ouais, c'est vrai que du coup on est allé sur une thématique un peu plus théorique de la place de la science. Oui. Mais je trouvais ça intéressant de la contextualiser dans tous ces événements, quoi. Bah de toute façon, c'était le sujet annoncé de la discussion. Hein. Oui. Si on avait fait 2 heures sur la tronche en biais, on aurait été un peu hors sujet. Quoi. Ouais, grave. Ok, bah très bien. Eh bien, à la prochaine, les auditeurs. Et voilà. À la prochaine. Ciao. Ciao.